Qu'est-ce que tu fais, Choupa Choups? Bah, je danse. Ça se voit pas? Non. Allez, Ukrainien, viens danser avec moi. Je te préviens, j'ai pas dansé, hein. Mais c'est pas grave, on s'amuse. Je pensais. Qu'est-ce qu'il dirait le capitaine s'il nous voyait danser? C'est quoi ce bordel? Putain, il arrive! Merde. C'est quoi cette musique de taré? En plus, sur mon bateau, je vais mettre mon CD. Ça, c'est de la musique. La 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 la. Oh. Vous aimez bien? Ah oui, oui, moi j'adore. C'est une musique vraiment le sens du rythme. Dans le refrain, j'adore. Et en plus, il y a la musique. Disez-vous, j'en ai rien à branler. Ah d'accord. Bon, Choupa Choups, l'Ukrainien. Je voudrais vous parler de la mauvaise nouvelle que l'Ukrainien m'a confiée tout à l'heure. Y'a plus de rhum? Comme tu le sais, je l'ai pas encore dit. Ah non, c'est l'Ukrainien, il me l'a dit tout à l'heure. Eh non, je t'ai rien dit, moi. Ah bon? Je pensais que tu me l'avais dit. Bon bah, j'ai deviné toute seule, je pense. Comment sais-tu qu'il n'y a plus de rhum sur ce navire? Ça me paraît louche tout ça. À mon avis, tu es la coupable! Capitaine? Oui? Je trouve la musique un peu angoissante. Ouais, c'est vrai. On pourrait dire aux musiciens d'arrêter. Bon, c'est bon, t'arrêtes ta musique de merde! Allez me faire foutre! Choupa Choups, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que c'est toi qui as bu tout le rhum? Oui, c'est moi, j'avoue. Connasse! Mais j'avais soif! Je veux pas le savoir, pétasse! Mais pour me faire pardonner, je vous fais un dessert, capitaine. Votre dessert préféré, c'est quoi? Un baba au rhum. Mais y'a plus de rhum. Une tarte aux pommes? On a que des poires. Bah fais une tarte aux poires. J'aime pas les poires. Bah fais juste ta tarte alors. Une tarte nature? Une tarte à thym? Ou une tarte aux fraises? Moi je préfère une tarte au citron. Et une tarte dans votre gueule, ça vous dit? Non merci, sans façon. Bon bah moi je file dans la cuisine. À tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Casse-toi. L'Ukrainien. Oui? Va me chercher la carte. Oui, capitaine. Et mène ton cul. Sinon je t'arrache tes dents avec une fourchette. Ouais, c'est ça. Ah, que j'aime ces moments de solitude. Je me sens si bien. Moi, mon navire, mon équipage à la con. Oh, je les aime bien dans le fond. Faut pas leur en vouloir. Papa, toi qui me regardes de là-haut, j'espère que tu seras fier de moi. Oh non, pas lui. Capitaine, vous êtes content? J'ai trouvé 54 cartes. 54 cartes? Bah oui, tenez. Donne-moi ça. Et elles sont vachement bien décorées, je trouve. Mais tu te fous de ma gueule? Non. J'ai pas envie de jouer à la belote. Je t'ai demandé une carte. Où se trouve la farine? Dans le placard à farine. Ah d'accord. Et toi l'Ukrainien, va me chercher une carte. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé. Elle était où? Vous allez pas me croire, capitaine. Plus rien ne m'étonne, surtout venant de toi. Capitaine, comment fonctionne le four? Démerde-toi. D'accord. Bon, ouvrons cette carte. Elle fait chier, elle voit pas que je suis occupé, bordel de merde. C'est dur la vie de capitaine. Toi je t'ai pas sonné. Bon, nous sommes là. Capitaine, je me permets de vous contredire, mais nous sommes ici. Mais non, Google Aquatique. Si on était là, on entendrait déjà les requins. Bon ok, on est là. Et on va où? Je pense qu'on va aller vers le sud. Oh. Vers la Finlande, la Suède. Afin de rencontrer ce peuple inconnu. Bien parlé, capitaine. Vous pouvez compter sur moi. Et sur moi aussi, hein. Merci, noble équipage. Qu'on lève le voile et qu'on pourfende les ennemis qui se mettent en travers de notre chemin. Bravo, capitaine. Bien parlé. Nous partons à l'aventure. Ma tarte, elle est prête. La coutume des pirates veut qu'avant chaque départ, le capitaine lance une pierre par-dessus son épaule. D'accord, c'est bien beau. Mais où voulez-vous trouver une pierre, capitaine? La 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 la, voilà ma tarte. Très attention, c'est un petit peu chaud. Pas de pierre. Alors on prend la tarte. De quoi? Choupa Choups, donne la tarte au capitaine. Tenez, bon appétit. Si elle tombe sur le navire, c'est qu'on aura de la chance. Si elle tombe à l'eau, c'est signe de malheur. Bon, on y va?